Venez vite, j'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des empreintes de loup, regardez. Oh là là, ils sont revenus. Faut partir maintenant, sinon ils vont nous attaquer nous aussi. Allons prévenir le village. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Attention, j'arrive. Venez vite, on arrête de jouer. J'ai trouvé des louveteaux. Oh, ils sont mignons. Mais où est leur mère? Oh, regardez là-bas. Oh non, c'est leur mère. Elle n'a sûrement pas survécu. Il faut ramener les louveteaux au village pour les sauver. Oh, bonne idée. Les loups ont mangé nos moutons et font peur à nos enfants, on en a assez! Comment on va nourrir nos familles sans moutons? Et sans lèvres, on va mourir de froid! Calmez-vous, on va trouver une solution. Madame la mère! On a trouvé trois louveteaux orphelins. Leur mère a été tuée par un piège. Vous pouvez nous aider à les sauver? Ils n'auraient pas dû manger nos moutons, c'est bien fait pour elles! Mais vous êtes fous, vous avez pensé aux pauvres louveteaux, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Et vous, vous avez pensé à nos troupeaux? Taisez-vous, bon sang, on s'entend plus parler. Bon, puisque personne n'est d'accord et qu'il faut trouver une solution, faisons le procès du loup. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là pour le procès du loup. Deux parties s'opposent. Les enfants sont pour la protection des loups et les paysans sont contre leur présence. La séance est ouverte. La parole est aux paysans. Les loups tuent nos bêtes et déciment nos troupeaux. De plus, ils s'approchent près de nos villages. Ils font peur avec leur hurlement. Ils peuvent attaquer les hommes et les enfants. Ils sont de plus en plus nombreux, dangereux. Il faut organiser une battue pour les tuer. Merci, messieurs dames. La parole est aux défenseurs. Les loups ont aussi le droit de vivre. Ils ont une mauvaise réputation à cause des contes. Et c'est faux! Ils appartiennent à la biodiversité. S'ils tuent, c'est pour se nourrir. Nourrir la mère et leurs petits. Que font les hommes aussi? Ils tuent. Ils tuent pour se nourrir. Que les loups ont failli disparaître. Il faut lutter contre la disparition des espèces. Merci, la séance est levée. La séance est ouverte. La parole est aux paysans. Les loups tuent nos bêtes et déciment nos troupeaux. De plus,